Le jour 7 de mon défi de 100 jours, le 100 Day Project, un défi que je me suis lancé de faire un collage avec 10 minutes, minutées, oui, ici, avec mon minuteur, et puis de faire des collages donc un petit peu plus abstraits. Alors, bonjour, bienvenue, merci d'être là. Si c'est la première vidéo que tu attrapes, mon nom est Joanne, je fais du collage et cette année, j'ai décidé pour la cinquième année de faire le 100 jours en faisant des collages un jour à chaque jour de 10 minutes pour avoir des collages un petit peu plus abstraits et travailler toutes sortes d'autres choses et aller explorer. Alors, celle-ci, je vais te mettre une liste de lecture à la fin de cette vidéo-là. Tu pourras tout nous rattraper. Alors, merci d'être là. Merci beaucoup à toi qui me suis, qui mets des commentaires ici. C'est vraiment très, très agréable. Je me demande ce que nous allons trouver ou travailler ce matin. Hein. Alors, ça, c'est celui d'hier. J'aime bien faire un petit retour sur celui d'hier. Écoute, je trouve qu'il y a bien de la couleur. Hein. Ça et ça, c'est vraiment beaucoup. Mais comme on a dit, on travaille le verbe accueillir. Alors, nous accueillons ce beau petit collage hier. Il y a une personne ici qui est là, qui est venu pour m'encourager. Alors, tournons la page et travaillons le numéro 7. Mais qu'est-ce que nous allons trouver aujourd'hui? Alors, on va commencer par piger encore à l'aveuglette, mais je vais partir le minuteur avant. Donc, je vais le partir 10 minutes et piger à l'aveuglette. Alors, je regarde mon beau plafond blanc ici pour me trouver des images. Oh! D'accord. On en prend quelques-unes parce que 3, 4. Hein. Arena. Il me manque le M pour rêver bien comme il faut pour Marina. Oh. Donc, est-ce que j'en prends un cinquième juste pour le fun? Oh, j'en ai deux. Je prends la gauche. Oh, je sors les deux. On va voir. Donc, c'est parti. Elle, comme la France, regarde. On ne sait pas si on va l'utiliser. Ça, c'est très beau. Regarde-moi ça. Si c'est beau. Et ça, on dirait des graines de lin, hein? C'est mon ami André qui avait découpé ça dans une de nos rencontres. Oui, je me rappelle qu'on jouait avec la nourriture. Bonjour André. Regarde ça si c'est drôle. Ça ici, si ça se parle bien. Tu vois comme je prends mon temps ce matin? Je me calme et je prends tout le temps que j'ai. Oh, c'est beau ce petit visage. Oh, j'aime ça qu'on voit la bouche dans le cercle. On n'est pas obligé de la prendre dans le sens qu'elle se présente. On peut la tourner. Et ça aussi, ouais, j'ai l'autre côté, mais hier, il me semble que j'avais un morceau d'homme, puis je ne suis pas sûre. Ça pourrait bien être la suite de celui-ci. Alors, je vais y aller avec ce côté-là qui me parle ce matin. Je trouve ça beau. Oh oui, je trouve ça très beau. Cette aile-là, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire. Il pourrait faire comme une lune, hein? À l'horizon, il pourrait. Ça pourrait être intéressant, comme ça ou comme ça. Ah oui, comme ça, oui, ou comme ça. Je vais commencer par le découper, ça me tente.
J'aime la ligne noire ici, mais qui est pour tout de suite aller toute seule, mais on va voir ce que l'on fait avec ça. Ça, j'aime vraiment ça beaucoup ici, et ça aussi. Est-ce qu'on veut ce visage? Moi, j'ai envie d'avoir ça, comme je l'avais ce matin, mais tantôt. Oh, regarde. On aime ça. J'aime bien qu'il arrive, tu vois, cette courbe ici. Moi, j'aime qu'il arrive là, comme ça. Sinon, ça fait... Bien, ça aussi, c'est intéressant, mais ça laisse... Je trouve qu'il y a trop d'ouverture. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dit non. Tandis que si je le mets ici, il y a comme juste ce... Ouais, comme ça. Tu vois, il y a juste cette petite portion-là. Sinon, il y a ça ici qu'on peut venir mettre là. C'est intéressant aussi. Ça nous enlève la petite ouverture que j'aime. Et si je laisse ça comme ça et que je viens mettre ce morceau-là de l'autre côté... Juste un. À moins que ce soit ici. Ou... Qu'est-ce que ça dit? J'ai regardé l'heure, il était 2:22. Aimes-tu ça quand les chiffres sont tous pareils? Moi, j'aime bien ça. C'est vrai qu'il y a un petit message qui m'arrive de je ne sais pas où. Et... je trouve ça beau. Il paraît qu'il y a des messages cachés derrière tous ces chiffres. Excusez-moi, tous ces chiffres identiques. OK. Bon, il va falloir prendre une décision. Moi, je pense que j'y vais avec ça ce matin. Je vais laisser peut-être cette ouverture-là, parce que ça, c'est super beau. Ce petit rond-là, là. J'aime vraiment beaucoup ça. Alors, go! La décision est prise.
Ça va sonner. Merci, machine. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Alors, notre résultat de ce matin. Je suis peut-être pas allée aussi loin en dehors de ma zone de confort ce matin, on dirait. Je me retrouve avec quelque chose qui a l'air d'un paysage. Je l'aime vraiment beaucoup. Ça, cette partie-là, j'aime vraiment ça, ça. Et ça aussi, moi, cette ouverture, ça me parle beaucoup. Donc, voilà, c'est un beau petit matin. Un beau petit matin. On a bien joué avec nos belles images. Il nous en reste ici. Je vais les remettre dans la boîte pour un prochain jour. Alors, merci beaucoup de ta présence. Et puis, je te souhaite une super belle journée. Au revoir. À demain pour le jour 8.